avec ce système, c'est rapide. Vous allez, même vous avez vu, en moins de 30 minutes. Non, mais en réalité, ça vous permet de le décaper. Le décaper et recycler le même. Vous recyclez comment? Parce que je vois maintenant que vous allez recycler manuellement. Vous allez recycler manuellement. Comment? Parce que là, la machine a décapé. Après. Décapé, braillé. Nivellage. J'essaie de voir la voie parce que jusque-là j'ai vu du décapage. Vous allez faire passer le compacteur, la niveleuse, pour mettre à niveau, pas de problème. Après vous allez appartenir des bitures. Voilà. C'est la même chose que vous faites. La particularité de cette bitures. À part que ça gagne mon temps en permettant de décaper. Dans la construction d'un pays, ce ne sont pas les travailleurs manuels qui manquent, mais bien les idéalistes et les planificateurs. Sun Yat-sen. Les recycleurs à froid et stabilisateurs de sol modernes de la série WR. Wirtgen Group GmbH et Compagnie KG est un fabricant allemand de matériel de travaux publics créé en 1961 à Wintagen, dans le land de Rhénanie-Palatinat, en Allemagne. Le cœur de métier de la société est le développement et la fabrication de machines pour la construction et l'entretien des routes. En 2016, le groupe Wirtgen employait environ 8000 personnes dans le monde, Allemagne, Brésil, Chine et Inde, à travers 55 sociétés de vente et de services et 150 concessionnaires agréés. Le groupe Wirtgen a été intégré dans le groupe américain John Deere le 1er décembre 2017. Pourquoi les routes de Kinshasa sont-elles souvent criblées de nids de poules? Un nid de poule ou nid de poule est une cavité dans la chaussée au bord découpé qui se crée lorsque le revêtement routier s'effrite et que les matériaux constitutifs du revêtement, enrobés bitumineux, se dispersent. Le terme vient de l'époque où les revêtements de route n'existaient pas. Les gallinacés se mettaient alors dans les trous au milieu des routes et y pondaient de temps à autre leurs œufs. Les nids de poule sont le stade ultime de la désagrégation d'un revêtement bitumineux. Le processus de dégradation commence par l'apparition de fissures dans le revêtement. Si les fissures ne sont pas colmatées, celles-ci se propagent à la suite des infiltrations d'eau liquide sous la chaussée en période de dégel. Si un gel survient par la suite, l'eau devient solide, glace, et soulève la chaussée. Lors d'une seconde période de dégel, la glace fond et l'eau résultante s'écoule, laissant ainsi une cavité sous la chaussée. Le bitume utilisé pour agréger les granulats constitutifs de l'enrobé bitumineux subit différents processus d'oxydation. Au bout de plusieurs années, l'oxydation du bitume le rend plus cassant et le bitume ne supporte plus les contraintes thermiques, dilatation-retrait sous l'effet de la chaleur, en été ou en journée, et du refroidissement, en hiver ou pendant la nuit, et se rompt en laissant apparaître un début de fissuration. Les conditions de pose d'enrobé peuvent aussi être à l'origine des fissures dans les enrobés. Des enrobés posés et compactés à trop basse température sont plus faciles à arracher sous l'effet du trafic des poids lourds ainsi que l'action mécanique des lames de chasse-neige utilisées durant les périodes de gel et dégel.
Une autre cause est due à des problèmes de vieillissement de la structure de chaussée telles que la couche de base ou la couche de fondation. Avec le temps, ces couches se déforment davantage, augmentation de la teneur en eau due aux infiltrations, production de fines par attrition entre les granulats, etc., sous l'effet des poids lourds et transmettent leur mouvement aux couches supérieures sous forme de fissures mineures ou majeures créant une surface faïencée du pavé qui s'effritera. Quand plusieurs fissures se ramifient, la surface du revêtement prend l'aspect d'une peau de crocodile. C'est le dernier stade avant l'apparition d'un nid de poule. L'apparition d'un nid de poule est toujours la conséquence d'un manque d'entretien de la chaussée ou de prévoyance. Soit parce qu'on n'a pas colmaté les fissures dès leurs apparitions, soit parce qu'on n'a pas remplacé la couche supérieure lorsqu'elle était arrivée à la fin de sa vie, soit parce que l'ensemble de la structure a atteint sa limite de résistance à la fatigue. Gardez toujours à l'esprit que votre propre décision de réussir est plus importante que n'importe quoi d'autre. Abraham Lincoln. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à JNZ Insport si vous ne l'avez pas encore fait. Portez-vous bien, au revoir.